Le samedi soir, Sylvie Vartan a été conviée à l'émission « Quelle époque ?» diffusée sur France 2. Cette opportunité lui a offert la possibilité d'exprimer ses sentiments à propos de son amitié avec Françoise Hardy, qui lutte contre un cancer depuis plusieurs années et se trouve actuellement dans une situation de santé précaire. Lorsque Léa Salamé, la présentatrice, lui a présenté une photographie de son amie, Sylvie Vartan a été submergée par l'émotion. Sa voix tremblante, elle a évoqué leur début dans les années 60. Sylvie Vartan a partagé lors de l'émission « Quelle époque ?» Françoise, je l'ai rencontrée quand nous étions jeunes toutes les deux. Nous étions parmi les premières à chanter ce genre de chansons. Elle composait les siennes. Je l'ai tout de suite appréciée. Et j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour elle, a confié la maman de David. Sylvie Vartan a ensuite évoqué la beauté et le talent de Françoise Hardy, ainsi que sa mélancolie qui l'a particulièrement touchée. Elle est évidemment de tout cœur avec elle. « J'ai beaucoup de peine pour ce qui lui arrive », confie-t-elle, la gorge nouée. Françoise Hardy, âgée de 79 ans, a été diagnostiquée d'un cancer du larynx en 2019. Après des années de traitement et de souffrance, elle avait récemment exprimé son désir de partir dans l'autre dimension. «